à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter vos contacts sur votre ordinateur et les réimporter après sur votre téléphone. Par exemple, si vous changez de téléphone, par exemple vous avez un iPhone et que comme vous le savez, il est impossible d'enregistrer vos contacts sur votre carte SIM, et donc quand vous changez de téléphone, les contacts restent sur le téléphone actuel et pas sur la carte SIM, donc c'est un peu embêtant et très très con d'ailleurs. Mais aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour exporter tout ça. Donc il vous faudra tout simplement Excel, donc Excel contact. Donc si vous voulez, il y avait une autre technique qui était CopyTrans Contact, la plus connue, mais la moins bien, tout simplement parce que vous pouvez importer que 50 contacts, après ça il faudra payer. Alors que dans cette version gratuite, vous pouvez exporter 210 contacts. Donc moi j'ai pu exporter 210 contacts. Après ça, je ne pouvais plus. Il me mettait que je pouvais importer que les 210 premiers contacts et après il fallait payer pour avoir en illimité quoi. Donc là à la base moi j'ai la version pro hein, mais je vais vous montrer avec la version light, c'est exactement pareil, mais bon voilà. Donc vous allez sur l'App Store hein, vous tapez Excel Contact et vous avez la version light et la version pro que j'ai là. Donc voilà, tout simplement. Donc ensuite vous ouvrez Excel Contact hein, hop voilà, après vous faites commencer, voilà, donc c'est extraire vos contacts et il vous demande le mode, donc soit par USB, soit par Wi-Fi ou soit par mail, Dropbox, SkyDrive, Google Drive, etc. Donc moi perso ça va être par Wi-Fi, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire continuer. Et là, ils vont me demander de taper cette adresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la taper. Donc, je vais aller sur Internet. Voilà. Et je vais taper http://192.168.1.61.2.8080. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais entrer. Donc là, ils me disent merci de suivre le lien. Je clique ici sur Separate. Ça se télécharge, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller. Donc, où est le téléchargement? Donc, dans les téléchargements, hein, très très logique. Vous voyez, il est ici. Hop, j'enlève ça, je mets ça ici, je quitte, et donc là, hop, je vais remettre mon iPhone, voilà, si tu peux, voilà, donc c'est pareil, en fait, voilà, et donc ensuite vous faites juste fermer, voilà, ensuite vous allez dans la petite case en bas, importer, hop, voilà, vous faites commencer, je sais. Donc vous mettez le mode de moyen Wi-Fi aussi, enfin comme vous voulez hein. Vous faites continuer et vous diront de taper tout simplement ce code. Donc je vais le retaper pour vous montrer hein. Donc c'est exactement pareil hein. Donc vous faites http://192.168.1.61.2.8080. Ensuite, vous faites entrer. Là, vous faites choisissez un fichier. Moi, il est sur le bureau. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. Voilà. Je fais ouvrir. Importer. Et vous voyez que sur mon iPhone, ça s'importe. Tout simplement. Donc, voilà. Et donc, ensuite, j'ai juste à faire importer en haut. En haut à droite, j'ai juste à faire importer. Et tous mes contacts s'importent. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, écoutez, hein, c'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas besoin de CopyTrans Contact avec ces 50 contacts qui étaient vraiment dégueulasses, je trouve. Parce que franchement,
50 contacts, c'est pas beaucoup, et après faut payer, etc. Franchement, c'était pas terrible, alors que cette technique, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis salut à tous et bye tout le monde.